L'annonce de l'ancienne présidente Cristina Fernandez de Kirchner, qui a déclaré qu'elle serait candidate à la vice-présidence lors des élections de cette année, a surpris beaucoup de personnes en Argentine. Il était plutôt attendu qu'elle se présente à la présidentielle. Au lieu de cela, elle se joindra à Alberto Fernandez, l'ancien chef du gouvernement argentin, que peu voyaient concourir pour le poste de président. Samedi, Cristina Kirchner a publié une vidéo de 13 minutes pour annoncer sa décision. Elle en a profité pour critiquer l'impact des mesures d'austérité sur l'économie ainsi que le niveau de la dette internationale contracté par le gouvernement de Mauricio Macri. Kirchner a occupé la présidence du pays de 2007 à 2015 et était attendue comme la principale opposante au président Macri pour l'élection de cette année. Elle demeure une figure controversée, avec une base de sympathisants très déterminée et des opposants qui soulignent les enquêtes et les procès pour des allégations de corruption. L'Argentine organisera les primaires en août et l'élection aura lieu en octobre. Le nom de Kirchner figurera donc sur les bulletins de vote, mais pas à la place qui était attendue.